L'état de santé de Bruce Willis est de plus en plus préoccupant. L'acteur, qui vient de célébrer ses 68 ans, est atteint de démence frontotemporale, DFT. Une maladie incurable qui entraîne de lourdes conséquences sur le quotidien de celui qui a été le roi du box-office pendant plus de 20 ans. De quoi également affecter ses proches, à l'instar de sa femme et de ses 5 filles, qui restent présents pour le héros de la saga Die Hard dans cette épreuve douloureuse. Dans plusieurs vidéos publiées dans sa story Instagram le 7 avril dernier, son épouse Emma Willis s'est livrée à cœur ouvert sur le combat de Bruce Willis contre la maladie. Le mannequin de 44 ans a raconté à quel point il était difficile pour elle de voir la santé de son mari se dégrader à petit feu, alors que ce dernier rencontre de plus en plus de difficultés pour communiquer, du point de vue de la personne qui voit l'autre perdre petit à petit ses facultés de compréhension et de communication, c'est tout aussi difficile, a-t-elle confié avant de se laisser gagner par l'émotion. « Je ne peux même pas en parler sans avoir envie de pleurer », a-t-elle poursuivi. Supérieure à quelles sont les femmes de la vie de Bruce Willis? Emma Willis souhaite sensibiliser le public aux maladies neurodégénératives bien que très affectées par cette situation. Emma souhaite, à travers cette expérience difficile, sensibiliser le public à propos de maladies neurodégénératives cognitives et comportementales qui arrivent sans crier gare. Ce que j'essaie d'apporter à la table, si est-il juste de l'éducation. J'apprends avec vous et tout ce que nous pouvons faire, c'est nous renseigner sur les trucs et astuces à connaître, faire de notre mieux pour aider la personne dont nous prenons soin. A-t-elle expliqué? Elle a tenu par la suite à adresser son soutien aux personnes qui sont dans la même situation qu'elle, alors, je veux juste que vous sachiez que je vous vois. Je comprends à quel point si est difficile à regarder et à supporter. Je voulais juste vous faire savoir que je suis ici pour essayer d'apporter une certaine forme d'éducation, a-t-elle terminé. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK.